Des siècles se sont écoulés depuis qu'Ulysse déjouant les Russes de Circé aveugla Polyphème. Mais la soif de vengeance de la magicienne et du cyclope s'est transmise de génération en génération. Vais aller. Toi aussi. Dès les premières lueurs de l'aube, le village de Kos sera détruit. J'aurai en mon pouvoir le roi Agisandre et son fils. Alors notre mission sacrée sera accompli puisque les derniers descendants d'Ulysse seront morts. Tu dois échapper au massacre. Non, je veux rester avec toi. Mais notre enfant a lieu sûr. Emporte-le dans la montagne. Je veux rester avec toi. Agisandre, par pitié, je ne veux pas partir. Ne m'envoie pas, je t'en prie, je t'en prie, je veux mourir avec toi. Attends, Pénope, il faut que tu partes tout de suite. Je te l'ordonne. Thank you.
Massif, dans la montagne, donne-le. Je vais retourner près de mon mari. Amène-le à Massif. Sauve-le. Sauve-le. Arrêtez toutes les femmes. Ne laissez pas échapper la reine Pénope. L'armée est de retour. Kos est détruit et le roi agissant est mort. D'ailleurs, voici son épée. Et l'enfant royal? Le petit prince? Allons, parle-toi. J'ai vu un homme qui fuyait avec le bébé dans les bras, alors je l'ai suivi et je l'ai blessé. Mais il a disparu. Pardonne-moi, reine. Maudit sois-tu! Puisque tu viens de manquer à ton devoir, tu vas être châtié. Donne-moi ton épée. Arrêtez-le! Tu finiras tes jours en prison. Et toi? Voilà ce que tu mérites! Arrête, capiste! Tu n'aurais pas dû faire cela. Cet homme pouvait nous aider à retrouver l'héritier. Mais je le retrouverai quand même. Je veux savoir si Pénope est parmi vous. Eh bien, répondez. Elles ne veulent rien dire. Fais-les parler. Fouettez-les au sang.
plus vite que ça. Le soldat que tu as tué était probablement le seul qui connaissait Pénope et qui aurait pu nous la désigner. Arrêtez ça! Assez maintenant! Envoisant une dizaine au sacrifice. Toi là. Et toi là aussi. Allez, sortez! Thank you.
Alors, ne pleure plus. Là. Tu es très beau. N'aie pas peur. Allez, fais-moi un sourire. C'est bien. Oh. Ephros. C'est le fils du roi Agisandre. Quoi? Oui, notre village a été entièrement détruit par les soldats de Capis. Le roi Agisandre est mort. Tu te fatigues, Ephros. Je vais te chercher un peu d'eau. Oh non, mais si. Non, c'est inutile. Je vais mourir, m'assiste. Mais écoute, la reine Pénope m'avait confié son fils pour que je le mette en lieu sûr. Et où est la reine? Elle est prisonnière. De Capis. Ah, nous avons de la chance, mon petit. Voilà justement Aroni. Hey, Aroni! Magiste. Donne-moi un peu de lait, Aroni. C'est le fils de Pénope et du roi Agisandre. Comment a-t-on réussi à le sauver d'un carnage pareil? C'était Ephros. Il l'a sauvé au prix de sa vie, le malheureux. Tu n'aurais pas dû quitter le village de Kos. Toi seul aurais pu sauver tous ses habitants de la funeste colère de la reine Capis. Cette colère qui ne cessera qu'avec la mort du dernier descendant d'Ulysse. Donne-le-moi. C'est comme un petit agneau. Je sais comment il faut le soigner. Alors je vais te le confier, Aroni. Je vais m'occuper de Pénope. Elle est prisonnière avec les autres femmes de Kos. Je dois partir les libérer. Oui, Messiste, va. Va, Sadoc. Va châtier cette reine perfide et sanguinaire. Et libère la mère de ce pauvre petit. Je vais aller le cacher dans ma cabane là-haut sur le mont Ramak. Va. Et que les dieux te protègent. Le cheval de la reine. Le cheval de la reine. Capis, Capis, dis-moi où tu vas. Alors, Ifit, toi aussi, tu m'espionnes? Non, voyons. Non, mais le ciel est couvert de nuages et la tempête va bientôt déferler. Et cela te fait peur? Pour toi, oui. Je t'accompagne? Non, non, j'ai besoin d'être seule. Pourquoi? Pourquoi? Qui te donne le droit de me questionner sur mes actes, Ifit? Mon amour. C'est un mot que tu répètes bien trop souvent à mon gré. Tu sais que je ne veux pas l'entendre. J'ignore ce que veut dire aimer. Thank you.
Mais jusqu'à quand, Sibylle? Dis-moi jusqu'à quand? Pourquoi dois-je continuer à supporter le poids de cette condamnation qui me contraint à vivre uniquement pour haïr? La vengeance ne se nourrit que de haine. Tu dois obéir à la volonté de Circé. Mieux vaut mourir alors, si je ne peux pas me libérer de ce maléfice. Ce maléfice ne cessera que le jour où tu auras donné en pâture au cyclope le dernier descendant du lys. Oui, je le sais, Sibylle. Le fils du roi Gisandre. Alors seulement Circé sera vengé. Le cyclope mourra. Et toi, tu naîtras à une vie nouvelle. Mais il a survécu à la destruction de Cos. Il a été emmené je ne sais où par un homme à cheval. C'est pour cela que je suis venue te voir. Pour que tu m'aides. Sais-tu où est le prince? Dis-moi où on a pu aller le cacher. Il est sous la protection d'un homme fort et généreux qui s'appelle Massis. Et qui s'appelle? Dis-moi son nom, Sibylle. Répète-le! Répète-le! Est-ce que tu es blessé? Pourquoi m'as-tu sauvé? Il faut défendre les humains en danger, en particulier les femmes, qui sont la source de la vie. C'est toi qui as provoqué le courroux de Zeus. Moi? En entrant, tu as profané le temple de la Sibylle. La colère de Zeus ne cherche pas à détruire le temple de la Sibylle, mais Capis, Capis, la reine maudite. Et que sais-tu de la perfidie de Capis? Qui es-tu? Assiste. C'est un nom peu commun. Et que signifie-t-il? Il signifie que je suis né de la pierre. Et d'où viens-tu? Je viens des montagnes. Et je suis en route pour Sadoc. Sadoc? Oui, Sadoc. Sortons d'ici. Voilà la route qui mène à Sadoc. J'espère que nous nous reverrons bientôt, car j'ai envers toi une dette de reconnaissance. La blessure est heureusement assez légère, elle ne laissera pas de traces. Je pense que j'aurais pu mourir. Mourir? Mourir? Oui. La fureur des dieux était déchaînée contre moi. J'aurais été broyée par les ruines du temple de la Sibylle. Si un homme d'une force exceptionnelle, beau, grand, généreux, m'avait sauvée juste à temps. Reine! Ma reine? J'ai de bonnes nouvelles. Parle. Une des prisonnières espérant échapper au sacrifice vient de révéler le nom de celui qui cache l'enfant. C'est un homme fruste et sauvage qui vit tout seul dans les montagnes. Il a une force extraordinaire, bestiale, monstrueuse, incroyable à ce qu'il paraît.
Il s'appelle Maciste. Maciste. Tu sais où il est? Non. Moi, si. Il est ici, à Sadok. À Sadok? Oui. Cherchez, trouvez cet homme et ramenez-le-moi ici. Vivant. Comme tu veux, Warren. Vous pouvez aller. Essayons avec ce madrier. Au milieu du chariot. Oui, là. Ça va. Allez, attention. Soulevez le chariot. Allez, allez, vite. Allez, allez, aide-nous à soulever le chariot. Viens nous aider. Nous tous, on doit y arriver. J'en peux plus! Attention! Allez-y! Oh. Allez! Oh. Encore! Oh. Oh. Encore! Oh. Oh, sortez-moi de là, j'étouffe! Oh. Allez, courage! J'ai eu de la chance. Ça aurait pu être pire. Ah, ça alors. Ah, ça, j'aurais jamais cru qu'il y serait arrivé. Ah, ça pour un homme fort. C'est vraiment un homme fort, celui-là. Oh, merci, alors, ami. Mais... si tu n'avais pas été là, je serais mort écrasé. Est-ce que tu as très mal? Non. Viens, toi qui es si fort, aide-nous donc. Il faut rentrer ces jarres. Quoi, ça? Oui. Et où? Là-bas. Attention, chargez-lui sur les épaules. Allez. Ah, bouge pas, toi. Attention. Doucement, encore. Là. Bien. C'est incroyable. Regardez-le. Avance. Ça, alors. J'ai jamais vu. Doucement. Quelle force. Encore. Encore. Attention. Doucement, doucement.
Dites donc, je vois que vous mangez bien. Si seulement c'était pour nous. Et pour qui est-ce? Et pour les prisonnières. Les prisonnières? Les prisonnières de la reine? Oui. Et tout le monde parle d'elle comme d'une reine cruelle. D'après ce que je vois, elle est généreuse, votre reine. Généreuse? Ah, la reine Capis veut que les prisonnières soient grasses. Tiens, goûte donc ce bon vin, tu l'as bien mérité. Mais dis-moi, qui est-ce qui crie comme ça? Ce sont les prisonnières, elles n'arrêtent pas de pleurer. Elles ont l'estomac délicat, les malheureuses. Elles n'aiment pas ce qu'on leur donne à manger. Eh ben, qu'est-ce que tu fais là, toi? Va-t'en d'ici. T'as compris? Je t'ai dit de partir. Dépêche-toi. Allez, va-t'en. File. Enfin, mais tu es sourd? Allez, va-t'en. Ah, regardez-le. Qu'est-ce que t'as à rire? Oh. Bon, maintenant, ça suffit, hein? Qu'est-ce que vous attendez? Mangez donc! Enfin, c'est rien que des bonnes choses, tout ça, et vous les laissez. Maman, dis, maman, je peux manger quelque chose, j'ai faim. Non, on veut nous empoisonner. Ah, voilà des idées. Regardez-moi. Toi! Et toi, oui, toi qui es maigre, faut que tu engraisses, mange! Mange! Non! Mange, je te dis! Non. Mange! Non! Mange donc! Non! Mange! M'assiste! Pénope! M'assiste! Où est mon fils? Ne t'inquiète pas pour lui. Il est sauf et il est bien soigné. Il est dans la montagne. Un vieux berger dont je suis sûr veille sur lui. Bientôt, tu le reverras, aie confiance en moi. Je te libérerai coûte que coûte, ainsi que toutes tes compagnes. M'assiste, m'assiste, attention, il donne l'alerte. Sauve-toi, m'assiste. Sauve-toi, fuis pendant qu'il en est temps. Pense à mon fils. Soyez tranquille, je reviendrai. Je reviendrai vous libérer toutes. Thank you.
Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Nous sommes restés dans l'obscurité. Nous avons entendu un cri. Un des nôtres a disparu. Il y a des morts là-dedans. Et quelqu'un est entré dans la prison. Eh bien, cherchez-le. De quel côté? Mais partout. Vous restez ici. Sont déjà partis. Pense au couloir secret, tu vas trouver un cheval dehors. Passe par le petit chemin de chèvre, tu le connais, et il te fera gagner des minutes précieuses. Mais fais vite et emmène l'enfant. Merci. Va. Aller plus loin par là. Demi-tour. Aroni. Massiste. Où est l'enfant? Dans la hutte, il dort. Et Pénoc. Je n'ai pas pu la libérer encore, mais j'y arriverai. Capis, c'est tout, et ses soldats viennent chercher l'enfant. Il faut partir immédiatement d'ici. Vite, donne-le-moi, Aroni. Il y a un endroit que je connais auquel personne ne pensera. C'est un endroit désolé, presque impossible à trouver. Sur le mont Ramak. Passons par là, tiens, c'est plus court. Alors nous cacherons le prince sur le mont Ramak. Rassemble tes bêtes, il n'y a pas un instant à perdre. Je retournerai à Sadok après. Et je sauverai la reine. Je sais comment entrer dans son palais. Tu es prêt? Je ne t'ai pas trahi, c'est moi qui ai empêché qu'on te reconnaisse. Pourquoi? Depuis que je t'ai revu, ta pensée ne me quitte pas. Mais que veux-tu dire, je ne te connais pas? Ton père m'a sauvé autrefois quand mon village fut incendié et détruit. Depuis ce jour, j'ai vécu ici à la solde de la reine Capis. J'ai dû revêtir cet uniforme. Tes yeux me rappellent celui qui m'a sauvé la vie. Mais que va-t-on faire de nous? Aie confiance en moi. Tu me dire où je... Ah!
Je l'ai trouvé dans le bois des Vestales et je l'ai ramené. Dans le bois des Vestales? Comment est-ce possible? Tu connais cet homme, toi? Tu l'as déjà vu? Non. Non. Eh bien, les jeux sont finis. Au moins, tu t'es bien amusé avec les Vestales. Raconte-moi comment tu es arrivé à ce bois! Allez! Et regarde-moi! Parle! Na! J'ai une idée. Tu es très fort, hein? Tu n'aimes pas mon vin? Mais tu aimes bien les Vestales. Eh bien, je vais t'en présenter qui te plairont sûrement. Elles sont belles et fortes, souples et musclées. Et puis, elles savent apprécier la bonne chair. Oui, ce sera un spectacle passionnant. Conduisez-les sur la fosse. Eh bien, commençons les paris. Qui va l'emporter et le faire tomber dans la fosse? Les noirs ou les blancs? Mumba. Je dis les blancs. Eh bien, moi, je choisis les noirs. Et toi, ami, tu choisis lesquels? Je ne joue pas sur la vie d'un homme. Alors pourquoi portes-tu cet uniforme? Je le porte pour combattre en soldat. Bois, pour avoir la force de regarder le spectacle. Bois. Maintenant, amusons-nous. De mes Vestales. Tu vas voir que je vais gagner. Thank you.
Non. Non. Je veux pas mourir. Au secours. Attendez, attendez. La reine désire que le prisonnier soit amené immédiatement devant elle. Nous l'avons trouvé dans le bois des Vestales, Majesté. Laissez-moi seule avec lui. Tu n'y penses pas? Ne fais pas ça, c'est dangereux pour toi. J'ai dit qu'on me laisse seule. Avez-vous compris? Ainsi, dans le temple de la Sibylle, c'était la reine Capis. Nous nous revoyons beaucoup plus tôt que tu ne l'imaginais. Et je suis encore ton prisonnier. La perfide reine Capis doit payer aussitôt qu'elle le peut sa dette envers qui lui a sauvé la vie. Je ne suis pas si cruelle qu'on le prétend. Faire tomber les foudres de Zeus sur mon palais. À la place, y sont tombées les foudres de Vénus. Je ne suis plus une reine. Je suis une femme comme toutes les autres. C'était donc la raison pour laquelle tu voulais que les soldats le laissent vivant. Fais accompagner cet homme qui est mon hôte dans la plus belle chambre du palais. Ton hôte, mais... Obéis sans discuter. Exécute l'ordre de Capis. Avec plaisir. Viens. Tu ne penses à rien. Mais avant de le tuer, il faut qu'il me dise où il a mis le fils d'Agisandre. Et quand j'aurai enfin exécuté la volonté de Circé, en offrant en pâture le petit prince au cyclope, tu régneras avec moi. Qui va là? Inspection. 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 Ferme et retourne à ton poste. Qu'y a-t-il? Bonne nouvelle, Pénope. Maciste est sauvé. Il est ici, la reine l'a invité à rester au château. Tu as pu lui parler? Oui, mais avec beaucoup de peine. La reine ne le laisse jamais seul. Je l'aiderai à te délivrer. Ce terrible noir a dit qu'on nous emmènerait ailleurs demain avant l'aube. Alors nous vous ferons sortir cette nuit. Que les dieux vous protègent tous les deux. Avant que le jour se lève, tu verras s'ouvrir cette porte. Les lugubres voiles de la nuit commencent à descendre. La nuit me fait peur, Maciste. Tu as peur? De quoi? De la solitude, surtout. Pourquoi?
Voilà le vrai visage de la reine Capis que tu voulais voir sévèrement châtié. Pardonne-moi si je t'ai blessé. Maintenant, je suis ton prisonnier, Capis. Tu es si belle, reine. Prisonnier? Tu voudrais fuir loin de moi? Pourquoi ne dis-tu rien? Tu voudrais sans doute retourner chez toi. Dis-moi, est-ce qu'on voit de ce palais la montagne où tu vis? Non, d'ici on ne peut pas la voir. Il y a peut-être quelqu'un là-bas qui t'attend. Non, non, personne. Alors emmène-moi avec toi. Fuyons ensemble, je t'en prie. Depuis que je t'ai rencontré, je suis perdue, moi aussi. Je ne croyais pas que l'amour pouvait déchaîner une lutte aussi violente dans le cœur des êtres. L'amour, est-ce que tu sais vraiment ce que c'est que l'amour? Pourquoi es-tu descendu dans les prisons? Qui aimes-tu? Je les aime toutes. Ce sont des prisonnières! Ne redis jamais ce mot. Ce ne sont que des femmes, sans défense et affolées, des malheureuses qui inspirent la pitié. Eh bien, dis-moi ce qu'il y a. Oh, rien. Mais enfin, qu'y a-t-il? Mais rien, rien, laisse-moi! M'assiste. M'assiste. Il faut que nous agissions immédiatement. Ils vont les emmener avant le lever du jour. C'est nous qui les emmènerons cette nuit sur le mont Ramak. Là-haut, nous pourrons nous défendre, Cyrus. Nous pourrons nous défendre rien qu'avec des pierres. Après la dernière ronde, nous nous retrouverons ici. C'est entendu. Enivré, m'assiste. Mais pense que les femmes produisent souvent le même effet. Hmm? En particulier quand elles sont belles comme Capis. Et toi, tu préfères le vin aux femmes, alors? J'ai pas le choix. Mon rôle est d'obéir et de servir avec dévouement la plus séduisante des héritières de la magicienne Circé. D'ailleurs, elle a aussi le pouvoir de transformer les humains en animaux. Eh bien, si je dois être transformé en animal, je voudrais avoir le droit de choisir. Je n'aimerais pas être changé en pourceau. Tu préfères en bœuf, peut-être? Non, en cerf, parce que j'aime les forêts et les montagnes. Oh, pardon. Je ne voulais pas t'offenser. Thank you.
Alors, selon toi, j'ai le pouvoir de transformer les hommes en bêtes. Excuse-moi, mais je pensais que ça te flatterait. Je devrais te faire arracher la langue. Ren, je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu gardes cet homme au palais. Tu ne sais pas encore ce que tu voulais savoir? Non, Ifit, non. J'essaierai cette nuit encore. Chaque jour, tu recules ce moment. Tu ne veux donc plus être délivré. Je t'aime, Capis. Je souffre de voir ce rustre imbu de sa force parader à tes côtés. Je t'ai déjà dit que rien ne te donne le droit d'être jaloux. Je vois que tu es inquiet. Qu'est-ce que tu regardes? La lune, l'océan et cette île. C'est une île inhabitable. On dit d'ailleurs qu'il n'y vit que des bêtes sauvages. C'est l'île de Polyphème. Oui, en effet. On dit aussi que le dernier cyclope y vit encore. Le peuple aimera toujours les légendes. La lune monte dans le ciel. Elle invite les gens à aller dormir. Ou elle invite les gens à l'amour. À l'amour? Il est grand temps que je m'en aille. Tu t'en vas déjà. Tu as tellement hâte de me quitter. Viens. Nous allons boire une dernière coupe. Assieds-toi. La nuit est si longue quand on est seul. Et je redoute la solitude maintenant. Depuis que tu es entré dans ma vie, j'ai tout oublié, tout négligé. Mes devoirs de reine et mon orgueil de femme. Tout. Pour devenir uniquement une femme qui aime. Pourquoi me regardes-tu ainsi? Pourquoi ne me dis-tu rien? Il est difficile pour moi de trouver les mots qu'il faut, Capis. Je ne sais pas faire des phrases. Je suis le fils des montagnes, ces belles montagnes d'où je viens et où je vis. C'est pour cela que tu me plais, Massis. Il n'a pas l'air très sensible à tes avances ni à ton charme, hein, reine. Où est le fils du roi Agissandre? Où est cet enfant? Allons, parle! Réponds! Où est cet enfant?
Et toi, tu es sûr que tes herbes font parler? Oui, Fit. Écoute, m'assiste. Je veux que tu m'apprennes où est le fils du roi Gisandre. Où as-tu caché cet enfant? Qui prend soin de lui? Allons, m'assiste, parle! J'ai compris, Ramak. Répète. Oui. Dans une grotte, une caverne du mont Ramak. Un berger, un vieil ami s'occupe de lui. Tu as dit un berger? Comment s'appelle-t-il? Aroni. Aroni, un berger. Je t'ai dit que mes herbes font même parler les bords. Il est sur le mont Ramak, où il est gardé par un vieux berger qui s'appelle Aroni et vit dans une grotte. Porte-le dans un cachot. Et ne le quitte pas des yeux un seul instant. Tu es Aroni? Non, 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 ne crains rien. Je suis un ami de Massiste. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Il faut que nous emmenions ailleurs le fils du roi Gisandre. Ici, il n'est plus en sécurité. Ils ont découvert son refuge. Oui. Donne-le-moi. Alors, tu as bien dormi? Un peu trop, peut-être. Il faut se méfier. Le sommeil parfois trahit les plus forts. Il arrive qu'on parle pendant le sommeil et qu'on livre les plus grands secrets à des oreilles intéressées. Sais-tu où est Ifit? Il est sur le mont Ramak. Il est allé chercher le fils d'Agisandre. Non. Oh, ma tête. On dirait que j'ai... Je dois partir. Ah, ah, ah. Ah.
Aroni. Aroni! Lequel d'entre vous est Pénope? Elle n'est pas ici, peut-être. Allez. Quelle est la mère de cet enfant? Personne? Où as-tu mis l'enfant? C'est toi qui l'as fait enlever, Capis. Que dis-tu? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu mens! Et je sais que c'est toi qui m'as drogué hier soir pour me faire parler dans mon sommeil. Je ne t'ai donné aucune drogue. Ce doit être Iphite. J'en suis certaine. Tu mens! Et je te déteste. Et moi, je t'aime, Maciste. Je t'aime. Et je donnerai la preuve de mon amour. Je sauverai le petit prince. Ainsi, tu sais où il est. Oui, je le sais, Maciste. C'est même moi qui aurais dû l'y conduire. Si mon amour pour toi ne m'avait transformé. Capis, où est Iphite? Où a-t-il emmené cet enfant? Iphite essaie aujourd'hui de mettre fin à un maléfice qui me poursuit depuis ma naissance. Nous avons peu de temps. Où est-il? Iphite le conduit dans l'île du Cyclope. Peut-être aurons-nous le temps de le sauver. Viens.
Merci. Ah, c'est bon. Toujours à tes ordres, Aurèle. Nous partons immédiatement. Attention, levez l'ancre! Attention! Partez! Un, deux, un, deux. Il faut absolument rattraper ce navire. Pourquoi sommes-nous arrêtés? Mumba, va voir. Tout de suite. Non, j'y vais. Attention, m'assiste! Les hommes sont drogués. Mumba leur a fait boire quelque chose. Il n'y a plus d'espoir. Nous ne pourrons plus sauver ce pauvre enfant. Plus vite ! Les sauverons, tu verras, Capis. Nous avançons. Avance.
Clinton! Entre! Allez. Reviens ici! Thank you.
libérés de la terreur et de la tyrannie, nous sommes ici pour déposer nos armes au pied d'Agissandre II. À dater de ce jour, il règnera sur nous. Toi, Pénope, qui as connu l'angoisse et la souffrance, tu sauras faire de lui un roi noble et sage comme l'était son père. Quant au fort et généreux Maciste, l'envoyé des dieux sur la terre, pour votre sauvegarde, pour notre sauvegarde à tous, il veillera sur lui. Silence ! Écoutez-moi ! Maintenant que le fils a été rendu à sa mère et que le roi a été rendu à son peuple, je dois m'en aller, Pénope. Tu veux nous quitter, Maciste ? Oui, Pénope, je ne peux pas rester avec vous, car ma tâche continue. Je dois reprendre la lutte éternelle contre le mal. Telle est la volonté des dieux. Adieu, Maciste. Reviens me voir.